Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un haul de Noël Action. Alors, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer de mes trouvailles. Tout d'abord, j'ai été accueilli par des piles de blocs 30-30, des kits de création de cartes de vœux et des matrices de découpe à prix réduit. Des modèles variés, des couleurs éclatantes et des textures fascinantes. Il y en avait pour tous les goûts. Après une sélection minutieuse, j'ai craqué pour quelques blocs 30-30 qui me correspondaient vraiment en m'assurant de couvrir une variété de thèmes pour mes futurs projets. Donc voilà le premier qui est magnifique et que j'adore. Donc voilà les modèles. Je les trouve vraiment très très jolis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, celui-là, ce bloc-là, c'est un de mes préférés quand même. J'aime beaucoup. Vous avez même des petites boîtes à faire sur certaines pages. Je trouve ça vraiment très sympa. Des belles cartes. Des très très beaux motifs. Vraiment, vraiment pour tous les goûts. Et à la fin de celui-là, vous avez plein de petits textes très très sympas. Donc voilà pour le premier. Ensuite, on passe au deuxième. C'est tout aussi magnifique. Avec toujours de très très beaux modèles, de quoi être très très inspiré. Jolie carte. De quoi faire un joli calendrier de l'Avent aussi. Quelques tags, quelques jolis messages encore. Et toujours du très beau papier. Vous avez même de quoi faire des recettes de cuisine. Ça, j'aime beaucoup parce que pour les fêtes, c'est très très sympa. Donc voilà pour le deuxième. Le troisième, un tout petit peu plus enfantin, mais alors, je l'adore aussi. Ces modèles sont vraiment très 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 beaux. Encore de quoi faire un très joli calendrier d'avant. De très très jolies cartes. Encore des tags avec de très beaux messages dessus. Des cartes toutes faites.
encore des petits messages, des petits dessins, des choses vraiment très très belles. Enfin, moi j'adore, je suis absolument fan de ces blocs. À cette période des fêtes, c'est vraiment très 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 sympa de pouvoir acheter ces blocs. Et vous avez une toute dernière page sur celui-là, encore une belle boîte à faire. Voilà pour le troisième. Le quatrième. Très très joli aussi. Toujours du beau papier, de quoi faire de très belles cartes. Des cartes, des messages, beaucoup de messages. J'aime beaucoup aussi celui-là. Des petites cartes bien sympathiques avec des beaux messages dessus. Des papiers. Encore plein de messages très sympathiques. Joli fond avec des flocons de neige, avec des sapins. Et de quoi faire un très joli calendrier de l'Avent. Voilà pour ce quatrième bloc 30-30. Alors évidemment, chacun de ces blocs m'a coûté 2,29 €. Et je ne me suis pas arrêtée là. J'en ai trouvé d'autres très sympas aussi. Donc je vais vous montrer ça. C'est des blocs paper de luxe. Et ceux-là, je les adore. Ils sont magnifiques aussi. Donc voilà. De quoi encore faire de très jolies cartes. Donc c'est vraiment les blocs rêvés pour toutes les âmes créatives. Et moi j'adore ces blocs aussi. Bon, voilà pour le premier. Le deuxième. Alors cette fois-là, on est un petit peu dans un univers beaucoup plus enfantin. Mais alors ça, c'est trop mignon et j'adore. Et j'adore en fait. Vous avez toujours du très beau papier. Et de quoi faire encore une fois de plus de très très jolies cartes. Voilà pour ce deuxième bloc. Le troisième.
Le troisième, il va être un tout petit peu plus cosy. Donc ça aussi, j'aime beaucoup ce style-là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi j'adore toutes ces choses-là. Je trouve ça très sympa, une petite carte avec ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour ce troisième bloc. Et le quatrième. Donc pareil, toujours un petit peu cosy. Avec un tout petit peu plus d'animaux, de fleurs, de village. Mais c'est très mignon aussi. Pour le dernier bloc, j'ai payé pour ces blocs 1,89 € chacun. Donc maintenant, on va passer au kit de création de cartes de vœux. J'ai été très surprise par le large éventail de designs et de styles disponibles, des motifs élégants et sophistiqués aux illustrations adorables et festifs. Encore une fois de plus, il y en avait pour tous les goûts. J'ai fini par trouver des cartes uniques qui feront sûrement sourire mes proches quand je leur enverrai. Donc je vais vous les montrer en sachant que chaque kit m'a coûté 1,16 €. Donc vraiment très très abordable. Donc je vous montre les kits tout de suite. Donc voilà pour le premier. Plutôt mignon. De quoi faire de très très jolies cartes. Les modèles sont vraiment très originaux et très sympas. J'aime beaucoup celui-là avec le petit renard. Je suis fan de renard, donc voilà. Voilà pour ce premier bloc. Voilà le deuxième. Très joli aussi, avec beaucoup de portes, d'arbres, de villages. Enfin, vraiment de quoi faire encore une fois de plus de très très jolies cartes. Voilà. Une belle maison, quelque chose d'un tout petit peu plus cosy. Et voilà pour ce deuxième bloc. Le troisième. Avec des petits pingouins, des bonhommes de neige,
des maisons mon par d'épices. Un petit train. Des Pères Noël. Des reines, des sapins. Une jolie boude. Plein de petits animaux. Des bonhommes de neige encore. Des petits bonhommes en pain d'épices que j'adore. Et voilà pour le troisième. Le quatrième. Avec des portes, encore des sapins. Il est un tout petit peu plus enfantin celui-ci, mais j'aime beaucoup aussi. Ça fera toujours de jolies cartes. Quatrième bloc. On va passer au cinquième et avant-dernier. Donc ça est très très sympa aussi celui-là. J'aime beaucoup. Avec des couronnes, du gui. Des sapins, des lutins, encore une belle boule de neige. Des sapins encore. Un petit cheval à bascule. Voilà pour ce cinquième bloc. On va passer au dernier. Et on va passer au petit dernier. Très très sympa aussi celui-là. Voilà. Et voilà pour les kits de création de cartes en 3D. Et pour finir, que dire des matrices de découpe? Si vous êtes fan de scrapbooking ou de carterie, vous savez à quel point les matrices peuvent transformer un projet ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Les matrices que j'ai trouvées sont magnifiques. Des rideaux de guirlandes, des candy canes, de très jolies maisons, et même ces fameux pulls de Noël que tout le monde déteste porter, qui donneront vie à mes projets de Noël. Je vais vous les montrer maintenant, en sachant que chaque matrice m'a coûté 3,49 chacune. Donc 3,49 les matrices, la matrice. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc il y a celle-ci. Très très joli. Et qui a un très très beau rendu. Je vous ferai une petite carte pour vous montrer ce que ça peut donner en fond. Donc voilà pour la première.
un joli rideau de guirlandes. Donc ce rendu est très très joli aussi. Et là aussi, je ferai une petite carte pour vous faire voir le rendu. Les fameuses petites maisons. Je trouve vraiment très très sympathique. Donc pareil, une petite carte dans un prochain tuto. Et pour finir, les fameux puzzles. Donc voilà. Donc qui fera l'objet également d'une prochaine vidéo. Je suis vraiment ravie de partager ces trouvailles avec vous car je suis sûre que vous trouverez aussi l'inspiration pour donner vie à vos propres créations. Et voilà, ce haut de Noël est à présent terminé. J'ai partagé avec vous mes trouvailles en matière de blocs 30-30, de kits de création de cartes de vœux et de matrices de découpe, le tout à prix très attractif. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et donnera vie à vos créations festives. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives et que vos projets artistiques soient remplis de magie et de merveilles. Ciao!